l'interdiction de l'exploitation minière artisanale de l'or suscite de vives inquiétudes parmi les habitants de la préfecture de Mandiana, car de nombreuses familles dépendent de cette activité pour subvenir à leurs besoins quotidiens. L'or est une ressource naturelle précieuse qui a longtemps été exploitée dans cette préfecture, offrant des opportunités économiques aux habitants. Avec la rentrée en vigueur de cette décision, de nombreux travailleurs de l'exploitation minière artisanale se retrouvent sans emploi et font face à des difficultés financières. Les commerçants qui dépendent de la vente de ces minéraux voient également leur activité ralentir, ce qui entraîne une diminution de leurs revenus. L'arrêt de l'exploitation artisanale de l'or est aujourd'hui un véritable problème pour nous. Ce n'est pas notre vœu, mais nous ne pouvons rien. Avant l'arrêt, nous étions dans des difficultés, car dans tout Mandiana, il n'y avait pas une mine artisanale où l'or était abondant. Moussa Babila Kanté, le président des fondeurs de l'or de Mandiana, quant à lui, pense que nul ne peut contredire cette décision du gouvernement. Mais il rassure tout de même que cela cause un désastre économique énorme dans la région. Donc, on demande alors à secteur de Le fonctionnement de tous les secteurs d'activité de la Haute-Guinée se repose sur l'exploitation artisanale de l'or, qui est une pratique ancestrale. Donc, vouloir arrêter cette activité risque de perturber beaucoup d'autres activités. C'est toute une scène de défiance économique qui est en train de se créer. Outre cette conjoncture et le ralentissement de la vie économique, la crainte de certains citoyens, c'est le risque de la perturbation de la tranquillité publique. Nous ne pouvons absolument rien contre la décision du président. Mais la seule chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est la multiplication du grand banditisme. Vous n'êtes pas sans savoir que quand l'exploitation artisanale de l'or est interdite, cela met plusieurs centaines de citoyens au chômage. Et les conséquences de cela peuvent engendrer le grand banditisme. En tout cas, pour l'instant, la décision est largement respectée dans plusieurs localités minières de la préfecture de Mandiana.